L'agence de presse sud-coréenne Yonhap a annoncé que les États-Unis enverront 4 avions de chasse furtifs F-22 en Corée du Sud pour démontrer leurs forces militaires face à la RPDC. Le chasseur F-22 a une fonction furtive pouvant échapper au radar. Il est capable de transporter des bombes et des missiles nucléaires, tandis que sa portée opérationnelle peut atteindre les 2 200 km. Les F-22 sont actuellement déployés dans la base aérienne américaine d'Okinawa, au Japon, et peuvent atteindre la péninsule coréenne en 2 heures environ.